Cette semaine, à New York, c'est l'ouverture de la Fashion Week avant celle de Milan, Londres et Paris. Je vais vous emmener dans un rythme effréné, découvrir les coulisses de la saison automne-hiver 2009. Cela m'a valu 3 rouges à lèvres, un gloss, un talon et surtout des milliards de mèches de cheveux éparpillées dans ma bataille avec les autres journalistes pour vous dégoter les meilleurs moments et les scoops les plus croustillants. Je suis un petit peu en retard pour le défilé de Matthew Williamson qui était prévu à 11h. Ça tombe bien, eux aussi, ils sont un peu à la bourre. Comme d'habitude, 500 photographes alignés. Essayez d'interviewer Matthew Williamson. What is the theme of this collection? I see there is lots of colors. Yeah, the collection was based on the idea of Tibet and a photograph that I saw of a little boy in a Tibetan jacket with brocade patches, and I wanted to do a sort of ethnic collection but with a modern twist. Very nice. And what would be like your main colors in the collection, like a mix of colors? I kind of love the sort of subdued earthy tones, like the nude and the beige. Look number one I love, like the very soft color but then with the almost fluorescent watermelon skirt. You understand everything about the woman. Congratulations. Oh, thank you. Thank you. Congratulations. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing upstairs. Cette semaine, à New York, c'est l'ouverture de la Fashion Week avant celle de Milan, Londres et Paris. Je vais vous emmener dans un rythme effréné, découvrir les coulisses de la saison automne-hiver 2009. Cela m'a valu 3 rouges à lèvres, un gloss, un talon et surtout des milliards de mèches de cheveux éparpillées dans ma bataille avec les autres journalistes pour vous dégoter les meilleurs moments et les scoops les plus croustillants. Car je suis un petit peu en retard pour le défilé de Matthew Williamson qui était prévu à 11h. Ça tombe bien, eux aussi, ils sont un peu à la bourre. Comme d'habitude, 500 photographes alignés. Is a repetition upwards. What is the theme of this collection? I see there is lots of colors. Yeah, the collection was based on the idea of Tibet and a photograph that I saw of a little boy in a Tibetan jacket with brocade patches, and I wanted to do a sort of ethnic collection but with a modern twist.
Very nice. And what would be like your main colors in the collection, like a mix of colors? I kind of love the sort of subdued, earthy tones, like the nude and the beige. Look number one, I love, like the very soft color, but then with the almost fluorescent watermelon skirt. You understand everything about the woman. Congratulations. Oh, thank you. Thank you. Congratulations. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.